Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour les résultats du concours maquillage sur le thème art floral. Donc je m'excuse auprès de toutes les participantes qui attendent depuis un long moment. J'ai prolongé le concours d'un mois supplémentaire, enfin le concours était à la base d'un mois et j'ai rajouté un mois puisque je n'avais pas assez de participation. Et au bout de 2 mois, je suis seulement arrivée à 19 participations. Donc, je vous avoue que je suis extrêmement déçue de l'engouement qu'il y a eu. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de participation et beaucoup plus d'enthousiasme à la vue du thème du concours et des lots qui sont offerts par Trognon et Pépin. Donc bah écoutez, ma foi, je pense que ça sera le dernier concours maquillage et ça me désole beaucoup puisque j'adore faire enfin les 2 autres que j'ai pu faire, j'ai toujours été très contente des participations et tout ça, mais là je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûtée, voilà, de chercher des sponsors pour pouvoir vous organiser des concours et d'avoir seulement 19 participations. Voilà, ça m'a un petit peu, voilà, enfin je vous avoue que je suis pas très contente. Donc voilà, bah écoutez, ça sera plus que des concours commentaires, mais je trouve ça bien dommage puisqu'on est là pour faire des maquillages et autres, et je trouve vraiment dommage bah, de pas faire de concours maquillage quoi, alors que moi je préfère donner des lots à des personnes qui le méritent, qui ont travaillé, plutôt que de faire un simple tirage au sort. Mais bon, vous c'est pas votre truc apparemment, donc bah écoutez, tant pis hein. On va faire avec et voilà, donc du coup voilà, je m'excuse aussi puisque ben j'étais en partiel, donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai prolongé jusqu'à fin avril le concours. Et là donc j'attendais de mettre à jour toutes les participations que j'avais eues, donc de répondre aux participantes pour être sûre de bien tout avoir. Et puis après ben bien sûr de regarder toutes les participations pour pouvoir faire le choix final. Donc j'ai eu donc 19 participations. Donc je remercie vraiment toutes les participantes, notamment celles qui ont participé 2 fois. Il me semble qu'il y en a eu 2-3, mais pas plus il me semble. Donc voilà, merci du fond du cœur de votre investissement pour celles qui ont participé. Voilà, et puis je remercie bien sûr Trognon et Pépin, donc qui va vous offrir les lots. Donc on va passer au résultat. Donc je vais partir de la 3e place. Donc j'ai longtemps hésité sur la 2e et la 3e place puisque avant tout c'est un maquillage artistique. Donc j'attendais plus qu'un simple maquillage des yeux, même si pour moi les yeux restent le maquillage le plus important puisque c'est ça vraiment qui, enfin c'est ce qui donne de la force à votre maquillage, c'est votre regard. Donc c'est bien de le mettre en avant et de pas focaliser sur des trucs sur les côtés. Et voilà, donc pour moi c'était aussi important qu'il y ait quelque chose au niveau du regard, mais pas que. Donc du coup c'était assez difficile de choisir entre la 2e et la 3e place. Autant la première a été évidente, la 2e et la 3e ça a été assez difficile, puisqu'il y a une participation qui a plus misé sur des accessoires qui ont rendu l'ensemble artistique. Et il y avait le maquillage des yeux en fait qui a déterminé la 2e place en fait, alors que l'autre donc c'était tout fait, les dessins étaient tout faits à la main, donc pas d'accessoires, mais donc j'ai penché pour celui-là puisque c'était le but, c'était de faire un maquillage, pas et non pas vraiment de l'accessoirisation, ça c'était vraiment plus en deuxième. Voilà, en deuxième partie quoi. C'est vraiment le maquillage que je regardais en premier. Mais en même temps, donc c'était très joli ce qu'il y avait autour au niveau artistique, mais au niveau des yeux, j'avais vraiment du mal à aimer ce maquillage en me focalisant sur le regard. Il n'y avait rien au niveau des yeux alors que tout était joli autour. Donc du coup, je me suis dit, je fais quoi? Je privilégie le maquillage ou un ensemble qui est vraiment mieux pour moi? Donc du coup, bah, j'ai privilégié le fait que l'ensemble, c'est vraiment le regard qui m'a déterminée dans mon choix. Donc du coup, la 3e place revient à Dream X Pink. Voilà, donc bravo à toi. Donc comme je disais, tu as fait quelque chose de très très joli au niveau du visage. Voilà, il y avait vraiment un détail qui était très très joli. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait rien au niveau des yeux. Il n'y avait
voilà, ça m'a pas parlé quoi. Même si tout autour c'était très joli, il manquait les yeux et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pu te donner la deuxième place. Mais félicitations à toi en tout cas. Donc tu remportes des boucles d'oreilles macarons, donc il faudra que tu ailles sur le site choisir la couleur. Et tu m'enverras par message privé, donc uniquement par message privé puisque j'ai besoin de vérifier l'identité des gagnants bien sûr, ton adresse postale et donc le choix de la couleur des boucles d'oreilles macarons. Donc je vous mettrai le lien pour les gagnantes dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller vous rendre sur le site pour choisir la couleur du lot, sauf pour la première gagnante qui n'a pas le choix de la couleur. Voilà, donc bravo à toi Dream X Pink. Et donc on va passer à la deuxième place. Donc la deuxième place revient à Baby H Oops 17. Donc bravo à toi. Voilà, c'était vraiment super ce que tu as fait dans l'ensemble. Alors, donc comme je disais, ce qui m'a gênée, c'est qu'il y avait beaucoup de choses accessoires autour. Et au niveau du maquillage des yeux, en fait, il n'y avait... Non, il n'y avait pas que ça, mais voilà. Ce qui a quand même joué, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau des yeux. Tu étais vraiment bien maquillée et le fait que les, enfin, il y a vraiment le fait que les accessoires ont vraiment joué tout autour, puisque voilà, ça faisait vraiment un ensemble très artistique, vraiment très joli. Et voilà, c'était plein de couleurs, plein de soleil et voilà, donc c'était vraiment super ce que tu as fait, donc bravo à toi. Et donc tu remportes une bague macaron, donc pareil, il faudra aller sur le site pour choisir la couleur de la bague. Pareil, il faudra m'envoyer par message privé ton adresse postale et la couleur de la bague que tu choisis. Voilà, et donc bah, on va passer à la première place. Donc pour toi, j'ai pas du tout eu d'hésitation quand je l'ai reçue, ça m'a plu tout de suite en fait. Et quand j'ai re-regardé ben, l'ensemble pour déterminer les gagnantes, voilà, j'ai pas eu d'hésitation, je me suis dit que c'était toi en première position. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'attendais vraiment. Malheureusement, dans l'ensemble des autres participations des abonnés, ben, j'ai un petit peu eu du mal à retrouver vraiment ce que je voulais. Et toi, tu as vraiment, vraiment trouvé voilà, ce que j'attendais du maquillage artistique sur le thème art floral. Et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite plu parce que voilà, c'était vraiment ce que je voulais quoi. Donc voilà, c'était super. Donc la gagnante de la première place, c'est Flux. Voilà, donc bah écoute, bravo à toi. Donc t'as fait un make-up artistique sur le thème de l'art japonais. Et j'y avais pensé et du coup j'étais restée dans un thème plus large pour pouvoir justement inclure ce thème mais aussi d'autres choses un peu plus générales. Et voilà, t'es partie sur ce thème art japonais et voilà, c'était vraiment trop beau avec les cerisiers, les espèces d'ombres en fait que tu as créées à côté. Je trouvais ça super joli. Et voilà, donc vraiment j'ai adoré ta participation, donc bravo à toi. Et donc tu remportes le collier Ben, distributeur de sourires. Voilà, donc bah écoute, toi aussi n'oublie pas de m'envoyer par message privé ton adresse postale pour que Trognon et Pépin vous envoient bah, les lots puisque c'est elle qui s'en charge. Donc voilà, j'espère de tout cœur que les trois gagnantes sont très contentes. Voilà, et puis je remercie bien sûr Trognon et Pépin qui a gentiment accepté bah, de vous offrir les lots. Et voilà, donc merci, merci à toi ma belle. Et voilà, bah, j'espère que tout le monde est content. Pour les perdantes, bah, ne soyez pas trop déçues. D'autant plus que bah, maintenant je vais plus passer au concours commentaire, donc plus de chances de gagner. Quoique, vu qu'il y a quand même pas mal de participations au concours commentaire. Mais voilà, c'est le hasard qui fait les choses, donc ça ne relève pas de mon ressort malheureusement. Et heureusement, parce que sinon... Wouhou, ça fuserait dans tous les sens. Donc voilà, en tout cas, j'étais bien contente de ce concours dans l'ensemble, même si bon, j'étais un petit peu déçue du nombre de participations. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que les participantes se sont amusées. C'est vraiment le but de ce concours. Et voilà, il faut pas être déçue. Il faut toujours recommencer. S'il y a d'autres concours maquillage, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment en essayant qu'on
qu'on s'améliore tout simplement. Bon, à part ceux qui ont ça, quelque chose d'inné en eux et qui font des trucs super dès la première fois. Mais voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais que quand je regarde mes premières vidéos, je me dis ah ouais, quand même, c'était pas trop ça, quoi. Donc voilà, il faut vraiment pas se décourager. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. C'est juste au-dessus. Il y a un prochain concours avec The Body Shop qui arrive. Donc restez connectés et pour ne pas le louper. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !